Le roc du renard. C'est reparti pour du gravel. Ah non. Il y a du goudron. Donc ça c'est la suite de la route que j'ai prise en descendant du roc du renard. En fait je pense que c'était une piste qui a été assez récemment goudronnée. Et là je m'enfonce dans l'inconnu. Alors, yep. Et là, ça devrait commencer à monter, je pense. Parce que j'aperçois la route de Reissac, je pense au-dessus là-haut. Ça commence à monter, là j'ai du 7-8% à peu près. L'état de la route correct dans l'ensemble, à part quelques petits passages dans ce style. Par temps sec, c'est pas de soucis là. Ça se cabre un peu mais rien d'affolant. Là au moins on est sûr de ne pas rencontrer grand monde. Ah oui, on va le savoir qu'elle est barrée cette route. Ça passe à 10%. 11%. Voilà. Arrivé à Reissac. Maintenant on va attaquer la descente Ernesto sur le lieu dit la Mélonier avec des beaux pourcentages sur le bas de la descente. Let's go.
des verres. Et la partie la plus pentue, ça c'est en bas, la moins belle. Attention à la boue. Et voilà. Et là, on va retrouver la montée classique de Reissac qui part sur la droite. Voilà, c'était la côte Ernesto.